Salut les gens. Alors aujourd'hui, c'est un peu un grand jour sur la version globale de Dokkan Battle, parce qu'on va enfin pouvoir utiliser tous les tickets commémoratifs que Bandai Namco nous a offerts à l'occasion des 150 millions de téléchargements. Alors, je vous rappelle la règle, en fait, vous avez eu un ticket pour chaque 50 pierres dragons utilisées. Donc moi, en gros, là, j'en ai 143, ce qui est quand même pas mal, c'est même énorme. Et ben, on va voir ce qui va tomber. Je vais passer directement par des multis invocations de 5. En gros, 5 tickets utilisés, ça va me donner 5 personnages, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long et on s'en sortira plus. Voilà. Alors, pour faire passer la pilule, je pense que je vais mettre une petite musique, parce que ça risque de me prendre un bon petit paquet de temps. Et ben voilà, je vous dis à plus tard. Et puis j'espère qu'on aura un peu de chance. Honnêtement, j'en attends pas vraiment grand chose parce que je touche plus à la globale depuis quasiment un an et je suis désormais que sur la version Jap.
暴れる夢が爆裂したならもう止まらない。
Voilà, donc en gros, voilà tous les SSR que j'ai obtenus pour ce tirage. Ça m'en fait quand même 25. 25 SSR. Je crois qu'il n'y en a aucun que j'avais eu avant. Parce que, comme vous le savez peut-être, j'ai laissé tomber la version globale il y a quasiment un an. Du coup, j'ai même pas eu l'occasion de voir tous ces personnages-là sur la globale. Donc en gros, c'est tout bénef. Et voilà, on espère que peut-être qu'il y en aura encore d'autres à venir, des événements comme cela, parce que c'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà. Allez, bonne journée à tous et salut!